Monsieur le Président du mouvement sportif Sport de Masse, Madame chef de service de sport, Monsieur le professeur docteur Noël Tchani, chers sportifs, bonjour. La commune de Limété est honorée ce jour parce que nous recevons des hôtes pas comme les autres. Nos hôtes sont jeunes de 4, comme on disait pour Tintin, à 77 ans. C'est pour dire que le sport n'a pas d'âge. C'est l'expérience de ce projet que nous voulons faire en partenariat avec votre association sportive, avec le professeur docteur Tchani Noël. Nous voulons lutter contre la délinquance juvénile, ce qu'on appelle communément les Kuluna. Nous nous sommes donnés pour défi, avec cette expérience, d'occuper nos jeunes avec des activités saines. Nous verrons, il y a beaucoup d'intellectuels parmi vous, nous verrons, au-delà du sport, nous allons ajouter certaines connaissances, pourquoi pas un peu d'informatique, pourquoi pas un peu d'art, pour que tous les jeunes soient utiles à la commune de Limété. Quand je dis jeunes, c'est garçons et filles, comme on le voit, hommes et femmes, sans distinction, nous voulons que nous soyons utiles à la ville de Kinshasa, utile à notre pays. Je vous remercie beaucoup, chers sportifs. Je remercie le mécène, professeur Dr Tchani, qui a voulu aussi être là, non seulement pour partager cette expérience, mais aussi nous présenter des projets innovants pour notre commune. Je vous remercie. Mes impressions sont excellentes de voir que les autorités de la commune de Limété sont très réceptives à l'idée et participent et encouragent la jeunesse à participer dans cet exercice. Le sport constitue, si je peux dire, un moyen pour la jeunesse de s'écarter de certaines antivaleurs. Au lieu de rester dans la rue, de prendre la machette, d'aller couper les doigts des gens, il est mieux de s'occuper d'avoir une certaine discipline. Quand vous avez développé une discipline dans le domaine sportif, les mêmes principes s'appliquent aussi dans la vie. Les sports créent des opportunités en créant des emplois. Vous pouvez développer
des aptitudes professionnelles dans le domaine qui vous intéresse pour devenir professionnel dans ce domaine-là. Ça peut vous rapporter de l'argent, ça peut vous rapporter donc votre façon de vivre dans la communauté. Mais au-delà de cela aussi, ça peut créer des sources de revenus pour l'État. Si on développe des centres sportifs et qu'il y a beaucoup d'activités lucratives, il y aura des taxes, des impôts qui sont payés et ça va bénéficier à l'administration publique. On va utiliser cet argent pour développer le pays. Nous demanderons aussi l'implication des bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, pour soutenir le développement des activités sportives. Mais aussi, on va solliciter l'implication du secteur privé. Il y a des entreprises qui évoluent dans nos communautés. Elles doivent pouvoir réinvestir un peu de leurs bénéfices dans le développement de la jeunesse. Donc, on demande l'implication de tout le monde dans la société pour que ces activités sportives puissent prendre donc un élan. Where is the game?